Bonjour TAF TV, je suis Rebecca D'Autremer, je suis auteure illustratrice de livres pour les enfants et je suis ici à la médiathèque des temps modernes à Taverny pour venir parler de mon travail et de mes livres. On est enchanté de recevoir une pointure de l'illustration, auteure, illustratrice Rebecca D'Autremer. J'ai toujours dessiné quand j'étais enfant, c'est vraiment un goût qui m'est... Enfin, je suis née avec ça, j'ai pas de mérite à aimer ça, c'est comme ça. Depuis que j'ai 2-3 ans, je dessine tous les jours, j'adore ça. Et j'ai commencé à travailler à la gouache, et c'est pour ça que là on peut voir à la médiathèque des originaux qui sont peints à la gouache. Et peu importe le médium, l'important c'est ce qu'on a envie de raconter et les images qu'on a envie de faire. Et après, en y passant du temps et en aimant ça, on obtient plein de résultats. Alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des livres qui sont publiés en France et dans beaucoup de pays à l'étranger. Donc ça m'arrive aussi d'aller un peu plus loin que la France ou que la région parisienne quand même. Mais oui, c'est important de rencontrer les gens, d'avoir des retours sur mon boulot, comment ils ressentent les choses. On essaye de mettre des émotions, des choses dans les livres qu'on a envie de partager. C'est la particularité des auteurs de livres, ils sont tout seuls quand ils font leur bouquin. Ils n'ont pas le retour par exemple des artistes de spectacle vivant. Vous avez immédiatement le retour des gens devant vous sur scène. Les petites occasions comme ça qu'on a de se rencontrer, de se voir, de se parler, voire de se toucher, c'est important, oui, pour nourrir le travail d'après et le livre qui se fera après, au retour, dans l'atelier, à nouveau tout seul.